Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal. Lily Jelly, victime de sorcellerie. La chanteuse ivoirienne mandingue Lily Jelly est à l'heure actuelle dans la tourmente. Elle aurait surpris sa servante volant l'âme de son fils malade. Cette jeune fille au service de l'artiste serait en fait une sorcière selon ses propres dits dans une vidéo rendue publique sur les médias sociaux et dans laquelle la chanteuse Lily Jelly la soumettait à un interrogatoire des plus serrés. En fait, la jeune fille semble, dans ses propos, avoir été initiée par sa grand-mère. Et pour l'en délivrer, un pasteur devait casser ses yeux de sorcellerie, mais la grand-mère aurait refusé. Elle dit, je cite, « Tu sais pourquoi, ici là, on t'a attrapé ? Nous là, on est des Doumbia. Doumbia, tu connais le sens ? À partir d'aujourd'hui, tu vas te renseigner. » Fin de citation. Elle ne serait pas à son premier forfait. Elle a même avoué à Lily Jelly qu'elle gâtait le foyer de son oncle et sa tante où elle était. En dépit de sa volonté d'abandonner la sorcellerie, sa même grand-mère, visiblement sa marraine, lui aurait opposé un refus catégorique. Tout chose qui lui aurait valu la vie de sa petite sœur. Pour le fils de la chanteuse, il était prévu qu'il serait tué par l'extraction de son sang. Elle dit, je cite, « Ils ont attaché son cou avec une corde lourde, a confessé la servante. » Ici encore, malgré l'insertion de l'adolescence, la grand-mère aurait refusé qu'on libère le cou de l'enfant des liens mystiques. En ce qui concerne Lily Jelly, elle a fait le choix de sa réponse dans les sourates que l'un des proches devait lui retrouver dans le Coran, et espérant que cette mauvaise passe soit un mauvais souvenir.